C'est une façon pour nous, nous-mêmes, dans FSES PUNDH, pour nous rendre hommage à professeur Patrice Michel de Renoncourt, qui était professeur ici, hein, qui était un guide pour étudiants, un encadreur, un modèle, un ami, un papa. Donc, après que tu as fini enlever et puis assassiner, nous avons d'abord entendu que la famille a organisé une propre cérémonie par lui. Qui a été fait dans Montana, dans la date qui était 13 novembre 2021. Et puis, de concert avec la famille, avec le permis de la famille, nous-mêmes, au niveau universitaire, nous avons jugé le bon pour que nous soyons capables de dire gratitude, nous, reconnaissance nous, par rapport à tout ça que le professeur de Renoncourt signifie pour nous et pour le monde universitaire en général dans le pays. Professeur de Renoncourt a commencé depuis environ 2008-2009. Il a ouvert en 2005. Tout de suite après, il a commencé. Et pas jamais suspendre de faire cours ici à la faculté, dans la science juridique ou bien la science politique, mais tout en encadré étudiants dans mes mémoires. Tout à fait, c'est consternation, c'est-à-dire consternation par rapport à l'état délétère que nous vivons aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Bon, nous exprimons tout ras-le-bol nous par rapport à l'irresponsabilité du monde qui a dirigé nous. Nous voyons que, quel que soit ce qui passe, malgré tous les problèmes que nous vivons, assassinat, viol, vol, nous avons l'impression que les dirigeants nous, ça ne pas dire rien. Donc nous-mêmes, tant qu'universitaires, une cérémonie comme ça, c'est un genre pour nous dire, non seulement pour nous dire ça, Patrice représenté pour nous, mais tout, c'est pour nous dire tout, que nous ne sommes pas capables encore de lire le temps pour le pays d'Haïti, pour Haïtiens suspendre et subir en bas coup de zame, suspendre, subir un mauvais traitement, suspendre, subir assassinat. Donc, et puis nous lançons un cri d'alarme pour que la situation soit suspendue.